73-51, Gilles. Break pour Rémi. C'est du 55 de mon côté. Ouais, j'ai entendu du monde derrière. C'est du 55 là de mon côté, Gilles. Les bonnes 73-51. Eh ben dis donc, aujourd'hui, la propague, elle était due arriver. Ça, c'est parce que t'as trop ouvert ta gueule hier. Ah, chie trois coups, retour. Ouais, c'est ça, ça a été dit tantôt, le sport, on a tiré toute l'énergie que t'as en propage hier en diesel. Oui, 100% QSL. Ah, chie trois coups. Eh bien, je suis étonné, toi, là, on venait de terminer de faire, de prendre de goûter des petits enfants. Quand j'ai entendu ta grande gueule dans le micro, oh, je me suis dit, quoi? Le Québec qui arrive. Ah, chie. Mais oui, toi, là, de mon côté, l'ouverture s'est faite juste là. Là, il y a quoi? Il y a, allez, il y a 3 minutes. Allez, 5 minutes à la louche. Parce que, oui, voilà, c'est ça. Je suis en train de regarder le compteur parce que j'enclenche une vidéo. Donc là, je suis à 3 minutes, ouais, 3 minutes de la vidéo. Donc ça fait 5 minutes là que j'entends le Québec, autrement dit toi, passer. Et puis c'est tout, hein, pas plus. Ouais, ben tu vois là, pour les conditions de trafic là aujourd'hui, eh bien c'est beaucoup les USA, beaucoup Brésil, beaucoup trop Italie. je suis descendu du côté des 40 canaux pour essayer d'avoir Monopoly. Qui est une station en 1000 pattes avec un poste, un gros striker. Voilà, impossible, ou alors je l'ai à peine entendu. C'est, ça a été très compliqué, hein. Je pense qu'il y a dû y avoir des pays de l'Est aussi qui sont passés, eux sont surtout en FM. Donc, tous les 40 canaux étaient moustachés par la FM. C'est, ça a été très compliqué, hein, déjà là ce matin, et puis là jusqu'à il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein. Oh, jusqu'en début d'après-midi, voilà, ça a été très très compliqué. Et puis jusqu'au dernier message là où je t'ai envoyé, puis après pouf, terminé, plus rien. C'était le silence jusqu'au moment où tu es arrivé. Si les bruits là qu'on entend, les blou, 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 je sais pas quoi là qu'on entend là. Et la mitraillette, mais c'est tout, quoi. C'est autrement, là, je n'avais plus rien, moi, ici. Hein. Ah,
Alors j'ai mis sur 4. Oui, c'est vrai que ça fait bien plaisir de pouvoir recroiser les antennes aussi aujourd'hui. Hein. Bah tiens, toi, là, je viens de mettre mon DSP, là, comme toi. Hein. J'ai vu que tu l'avais mis sur 4. Hein. Et là, sur la vidéo, là, c'est super bon, c'est super bien filtré et tout, ça. C'est ni trop ni moins. Peut-être que j'étais un peu trop de mon côté. Du coup, je l'avais sur 5, j'ai descendu sur 4. J'ai fait comme toi, là, du coup, au niveau du réglage. Là, je l'ai perdu. Il a pas compris. Il m'a pas entendu. T'es bingo. Ouh, c'est devenu tout tout QRP. Ouais. Oh, hé, je viens de t'entendre dans le web SDR de Montréal Laval. Ouais, tu passes dedans. Je remonte un peu le volume. Hein Gilles, je t'ai entendu dans le web SDR de Montréal. Tac, voilà. Ouais, ouais. Eh bien là, alors ben du coup, vu que c'était complètement retombé, qu'il n'y avait que l'Italie et tout là qui venait ici, ben, je sais pas s'il y a eu des OM de la 14 qui ont essayé d'appeler le Québec. Comme j'ai pas entendu de Québécois non plus, là, t'es vraiment le premier de ce côté-là que j'entends. Hein. Ah oui? Ah mais de toute façon, je remarque un truc, c'est que souvent, tu as d'abord le nord de France, Belgique, ça, tu l'as très souvent. Le sud-ouest, et toute la moitié sud, après, c'est... Faut attendre un peu, quoi. Bon alors, y a-t-il des stations derrière la porte pour le Québec? Ok, j'ai une idée. Les stations qui sont en stand-by derrière la porte. Gilles, vous fait un autographe sur un chèque à tous. Hachi. Bon, ben non, il n'y a vraiment personne. Hein. Ils sont passés une fois tout à l'heure, et puis, bon, c'était calme. Et puis là, du coup, il va falloir attendre un peu là pour que les stations là reviennent. Il est où? Les 73-51 de la part de Rémi, 14 km 33-01, d'Andy 33 du côté de Saint-Émilion sur le sud-ouest de France. Ok, d'accord. Eh bien, toi, de notre côté, c'est tempête de soleil, de ciel bleu. Et bon, là, la température est redescendue à 19. Mais pour un mois de février, tout à l'heure, on a quand même eu 20 degrés. Hein. Là, ça fait très fort, là, ici. 20 degrés pour un mois de février. Alors, le prénom, c'est Rémi. Roméo, Echo, Mike, Yankee, Rémi. Et je suis en compagnie de Gilles, 9 Bravo Charlie 555. Alors,
Bah, j'ai du mal à vous sortir là sur le QTH. Je repassais le micro à Gilles. Gilles, 9 Bravo Charlie 555, à toi le micro. Eh bien, il est à quelques kilomètres de chez toi. Il est à quelques kilomètres de chez toi. Ah, j'ai entendu quelqu'un derrière. Ouais, en avant la station pour le Québec. Zut, j'ai oublié le prénom de l'OM que je viens d'avoir là sur le Québec. Gilles, tu écouteras la vidéo un peu avant. Alors là, ça fait du bruit quand même. Je remets sur 5. Je remets sur 4. Ok. Eh bien, aujourd'hui, la propague a été très très longue. Enfin, non. Une ouverture vers le Québec a été très très long à venir. De mon côté, tout au long de l'après-midi, j'ai fait quelques essais. Rien. Tu passes Gilles sur Laval de ce côté-là. Je monte le volume un peu comme ça pour Gilles. Ça, il pourra s'entendre en même temps. Bon, je ne vais pas le faire à chaque fois parce qu'en même temps, il se sert il utilise les vidéos des uns des autres pour faire ses réglages. Pas mal comme solution.
Là, j'ai coupé les deux web SDR. Et je l'ai un peu en direct. Ouais. Ah ouais, je l'ai en direct. Vers les vers quelle heure, vers les 1h du matin par là, ah, je crois que c'est vers les 1h du matin par là. Il y avait du monde encore en fréquence de ce côté, hein. Ouais, j'ai la tête prise dans les nuages, maman. Allez, je l'ai entendu en direct aussi, mais bon, très très QRP, hein, trop QRP pour comprendre ce qu'il dit. Les 73-51, lui, de la part de 14 km, 33-01, Rémi, Dandy 33, à côté de Saint-Émilion. Oh, je crois que j'ai parlé en même temps que quelqu'un d'autre. Non, négatif, ni d'un côté ni de l'autre. Ou alors, ah, si, attends, je raconte une connerie. Je l'ai à peine deviné dans le QRM, mais c'est tout, hein. Je suis incapable de te dire d'où arrive la station. Je suis incapable de te dire dans quelle langue il a parlé, même tellement que c'était QRP de mon côté. Il
a trop ouvert sa gueule hier. Il a saturé le réseau. Le réseau hertzien. Je refais des tests aujourd'hui là sur le j'ai un RTL SDR. Bon, les RTL SDR, franchement, c'est pas terrible. Hein. D'ailleurs, il y a deux branchements dessus. Et sur les deux, déjà, il y en a un où ça marche pas. Celui-là qui m'intéresse le plus, justement, le 100 kHz 30 mégas. C'est la plage de fréquence que je trouve la plus intéressante. Et c'est justement celle-ci qui ne fonctionne pas dessus. Ou alors, il faut vraiment avoir le bon logiciel. Et là, je ne sais pas lequel prendre. Pour arriver à le faire décoller. Et sur l'autre, 25 1,7 giga. La fréquence est assez particulier. Partout où on va dessus, ben on s'aperçoit que quand on fait des tests, eh bien, on est complètement à côté. Je vois par exemple quand j'attrape sur internet des fréquences de relais radioamateurs et que je me mets dessus. Sur le RTL SDR, eh ben, je suis pas du tout au bon endroit. C'est sur la fréquence, je veux dire par là que la fréquence elle-même, sur la bonne fréquence, je vais rien avoir, mais je vais l'attraper un peu plus loin. Alors ça va être soit au-dessus, soit en dessous. Alors par contre, curieusement, là où c'est bien calé, c'est sur la bande 88-108, comme par hasard. Les radios professionnelles. Là, oui, le calage en fréquence, il est bon. Voilà, je recherchais le nom sur l'ordinateur. Alors, le logiciel que j'ai là d'installer, c'est HD-SDR. HDSDR. Et pour l'instant, je n'ai trouvé aucun qui puisse le faire fonctionner correctement. Alors, on m'avait donné une astuce avec SDR Uno. Que je regarde si j'ai toujours. Le fichier de capture d'écran. Voilà.
Ah oui, voilà. En allant dans le répertoire d'installation et en utilisant sdruno.extio. Alors là, pour le coup, ça m'a envoyé sur le micro. Ouais, cool, je me suis entendu dedans, quoi. Ben oui, s'il l'a attrapé par le micro, renvoyé dans le haut-parleur. Donc, pas beau. Alors déjà, quand on voit le prix de cette bestiole, je sais plus, 65 €, un truc comme ça. C'est cher payé la camelote. Vaut mieux un bon SDR Play sur lequel on va installer un SDR Uno, un truc comme ça. Enfin oui, carrément ça. Où là, d'après les tests vus sur les salons, ça marche vraiment bien. Mais un SDR Play, là, le prix est plus le même. C'est le prix de celui-ci x2 quasiment. Bon alors, il fait une pause. Ah, t'as 109, bravo Charlie, 555 pour 14 km, 33,01 Rémi. Ici sur WebSDR Ottawa et Montréal. Et c'est. Eh ben non, la porte s'est refermée. 1, 2, 3. Ah oui, j'entends plus rien. Aucune trace de limace non plus dessus. Pour revenir au SDR Play, là je me dis de suite que j'ai toutes dépenses à faire à la place. Bon, la porte s'est refermée là. Waouh. Ah oui, si c'est pas terrible. Comme il dirait au Québec, c'est une journée off. Bon. Si c'est très moyen là, c'est ma petite idée du côté des 40 calories. Pas très encourageant. Ah bah là par contre si. Waouh. Lui il lui manque un peu d'écho. Pourtant, il envoie la pâté. Attention, Monopoly pour Dindy 33 qui t'appelle. Attention, Monopoly pour Dindy 33 qui t'appelle. Attention, les stations fréquences pour Dindy 33 qui appelle. Ah, de mon côté, je suis trop loin de Bordeaux là. Je suis à 50 km de Bordeaux, hein, donc. Euh...
Il y a des stations autour. Hein. Mais ils bannissent littéralement les 40 canaux. Ils ont des gros décamétriques. Ils sont pas du même monde. Ah, je suis trois coups. Ma connerie, ça me fait penser à ceux qui ont une voiture plus belle que celle du voisin. Forcément, ils sont d'une classe sociale au-dessus. Dans leur tête, c'est tout. Hein. Là où je rigole, c'est que quand on me dit aussi, il n'y a pas de Roger Bip sur un décamétrique. Ah ouais. Mais il y a un stand-by bip. Hein. Et là, il a enclenché. Et ça rend bien service quand je relâche le micro. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Kilomac, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence monitor des Kilomac depuis le sud-ouest de France, du côté de Saint-Émilion. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Kilomac, 3301, opérateur Rémi, qui lance l'appel sur la fréquence monitor des Kilomac depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Tout à l'heure, c'était saturé, là. Saturé par la propague, donc les étrangers, ceci, cela. Eh bien, je me suis dit, c'est pas grave, il y a d'autres fréquences. Et bien là, la porte s'est refermée. Non. Il y a encore un petit courant d'air. Donc 11h10 au Québec. Oh, bah là, il a QRT. Il a d'autres choses de prévues. Dans les jours à suivre, peut-être qu'on l'entendra. Peut-être. Oui, j'ai des infos. Je les garde pour moi. C'est où? Bon, au-dessus, je m'en fiche.
Eh bien, pour le coup, je vais me monter, comment dire, une petite permanence là sur la fréquence kilomètre. Voilà, pendant que je vais travailler la vidéo.